Salut tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode du Black Widow Challenge, le cinquième. On se retrouve avec Daisy qui vient de se lever, qui va faire des bêtises. Lâche-nous Clotilde un petit peu. Qui va donc manger un petit peu. Ah, oh, elle va aux toilettes là. Et puis nous avons Jacques qui se sent vraiment très très bien actuellement dans sa piscine. C'est vrai que ce petit grillage, c'était plutôt une bonne idée de décoration. Bonne idée que Daisy a eue. C'est terrible. Bravo à ceux et celles qui ont deviné que j'allais noyer Jacques dans le précédent épisode. Voilà, donc je pense que c'est pour aujourd'hui. Regardez-moi sa vieille tête, là. Oh. Il sait ce qui se passe, là. Ouais, il se dit, merde, j'aurais pas dû tuer ce mec. Je suis tombée sur la pierre. Voilà, on a une Daisy qui est très machiavélique. Mais pourquoi tu vas manger dans la chambre de Clotilde? Enfin bref, Clotilde se sent pas spécialement bien. Elle a vraiment besoin de jouer actuellement. Donc on va faire ça. Voyons voir ses compétences. Ok, elle est plutôt pas mal. Alors quand est-ce qu'elle grandit par contre? Dans 6 jours, on est vraiment plutôt bien. Daisy, tu finis ton petit repas. Tu peux aller regarder la télé éventuellement. Et puis bah les gosses, ils se doutent de rien. Enfin je... Les gosses, ils s'en fichent complètement. Ils sont là, ils... Bon, voilà. Je me dis surtout qu'ils vont se retrouver orphelins assez rapidement. Hyper triste. Dans une très grande maison. Bon, bah voilà, c'est la vie, hein. Donc, ouais. Sachant que je pense que les ados... Ouais, ils vieillissent dans 6 jours aussi. Et puis bon, c'est des ados, ils peuvent s'occuper de Max, ça va. Max qui vieillit dans 6 jours aussi, bon... Ils sont bien, je me fais pas trop de soucis pour eux, hein, ça va. Bon bah lui il est heureux maintenant, ça y est, il est content, il s'est secrètement soulagé, il se fait pipi dessus dans la piscine. Bah c'est malin ça, dis donc. Oh, il y a un petit verre de vin là, allez, à 10h, petit verre de vin. Je pense que Daisy est pas alcoolique, mais elle aime bien l'alcool, vous voyez. Elle essaye de se rassurer en disant que ce qu'elle fait, c'est pas si terrible que ça, mais au fond d'elle, elle sait que ce qu'elle fait, c'est... Oh ! C'est le décès ! Oh mon Dieu ! Ça y est, elle meurt ! Oh, c'est horrible. Franchement, je sais plus, je crois que j'avais mis... J'avais quand même oublié d'ailleurs qu'on pouvait jouer en première personne, et j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui faisait mourir son Sims comme ça en première personne. Et la noyade, vraiment, ça m'a mis trop mal à l'aise. Je supporte pas, en fait. Ouais, moi, je sais pas nager, de base. Faut savoir. J'ai jamais appris. Et puis, j'ai failli me noyer quand j'étais petite. Donc, j'aime vraiment pas ça. Mais pourquoi t'es triste? Mais Clotilde, elle est triste, ça y est. Je pense qu'elle va passer son enfance à être triste, finalement. Est-ce que tu peux t'occuper un tout petit peu de ta fille, éventuellement? Parce qu'elle est vraiment dans le mal. Raconter une histoire... demander comment s'est passée la journée. Je ne sais pas, on va discuter avec elle. Bon alors, du coup, toi, comment tu te sens? On a la faucheuse. Tiens, au pire, non, va saluer... Ah, on peut pas saluer la faucheuse. Ok. Bon, il est mort. Tiens, présentation amicale. Elle est triste. Non, mais MDR, quoi. Ah, voilà, elle va mettre sa tenue de veuve. Alors, attendez. Je crois que j'avais préparé une tenue de veuve. Voilà. C'est une tenue de fête, mais... Oula, oups, que je modifie pas tout. Attendez, je vais changer sa tenue. On va prendre une super photo comme ça. Commode. Changer la tenue. Hop. Voilà. Oh punaise, elle est hyper blasée, on dirait. Merci faucheuse pour tout ce service que tu nous rends. Oh, super la photo, elle est magnifique. Oh, non mais regardez-la moi, comme elle est belle. Avec la petite main qui dépasse là sur l'écran. Ok. Se plaindre de problèmes. Se plaindre de la taille du téléviseur. J'en ai marre de la taille de ce téléviseur, vraiment. Je pense qu'elle va essayer de se lier d'amitié avec la faucheuse. Parce qu'on va plutôt la voir à maintes occasions, hein, je vous préviens tout de suite. Prévenir que les lits sont dangereux. C'est excellent ça, ça. Depuis quand on a ça? Partager ses incertitudes. Hop. Et puis on va le mettre dans l'inventaire parce qu'on doit collecter les tombes. Ah, la faucheuse est un génie. La photo de mon badge d'employé n'est vraiment pas flatteuse, il faut que j'en fasse un autre.
Se vanter de ses biens. Non mais je rêve. Se plaindre de sa vie amoureuse. Tu comprends, j'ai fait ça parce que Duncan est mort à cause de lui. On peut l'enlacer. Attendez, on est déjà amis avec lui? Avec elle? On est presque amis. Est-ce qu'on peut regarder les nuages? Oh attendez, non, on va prendre un selfie. Est-ce qu'on peut prendre un selfie? Oh mince, on peut pas. Ah, je suis trop deg. Ah ah! Elle veut pas! Oh, on peut regarder les nuages. Go regarder les nuages avec la faucheuse. Bon. Oh! Parler de jouets. De jouets, pardon. Parler de camions. Apporte-moi à boire. C'est pas très poli ça! Parler de sa couleur préférée. Regardez-les! Non mais je rêve. Ça devient n'importe quoi ce let's play. On est qu'au 5e épisode et c'est déjà n'importe quoi. Bref, allez, laisse la pauvre faucheuse partir faire son taf, c'est... Bon. Mais franchement, Daisy, je pense que ça va pas être trop... On va pas être triste longtemps, quoi, hein. C'est vraiment histoire de faire genre devant les enfants. Ah, et Max a une réunion de scout. Bon, bah écoute, bonne réunion de scout, hein. Ton père est mort, mais... Ouais, c'est pas grave. Il faudrait qu'on organise un petit enterrement. Ce serait rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas le mot, mais vous avez compris. Ok, mais Clotilde va vraiment très mal. Pourquoi le social, ça va pas comme ça? Tiens, mange une salade caprese et puis, je sais pas, fais des efforts, quoi. Faut pas être triste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il s'est lavé les mains ici, ok. Bon, bah, du coup, j'inviterais bien Bjorn. Mais ça va être compliqué, sachant qu'elle est triste comme ça. Éventuellement essayer de la rendre un peu moins triste. Les gosses, ils sont dans le mal total. Ils se disent, mais punaise, il s'est passé quoi en fait? Et je pense qu'elle va même pas en fait organiser d'enterrement parce que bah finalement elle le détestait, Jacques. Et du coup les gosses doivent se dire, mais quand même, notre pauvre père. Et là il y a un mec qui débarque. Tiens, salut Bjorn. Ah bah non, garde ta tenue de veuve quand même, ce serait peut-être pire. Montre que tu es une veuve, s'il te plaît. Fais un minimum d'efforts pour les enfants au moins. Sachant que tu aimais bien Luna. Mais qu'est-ce qu'elle fait, oh, Daisy? Enfin, est-ce que tu as vraiment besoin de retourner là où tu étais pour te changer? C'est bon, il t'a vu toute nue, Bjorn. Bon alors, raconter des ragots à propos des voisins. Tu sais que Jacques est mort. Ok. Raconter une blague, je sais pas. Elle va essayer de faire de l'humour. Les gosses, ils doivent se dire, mais... Qu'est-ce qu'elle nous fait? Pourquoi... Comment elle peut être de bonne humeur comme ça, alors que... Il est mort? Ok. Et Max, il est pas là, de toute façon. De toute façon, je pense qu'ils savent que... Bah, ils sont ensemble, finalement. Ouais, on peut rien faire du tout, hein. Comment pourrait-on faire? Je pense qu'il faudrait qu'on emménage chez lui déjà. Et puis, mais je pense qu'il faudrait déjà... Je sais pas. Je pense qu'on va faire comme ça à chaque fois que ce soit le mari qui les demande en mariage. Parce que je vois mal Daisy demander en mariage en fait. Je pense qu'elle fait tout pour qu'on la demande en mariage. Mais elle va pas le faire elle-même, vous voyez. Tiens, dis bonjour à Bjorn. Ça va devenir ton nouveau beau-papa. La pauvre puce, elle sait plus quoi faire. Oh non, elle est trop triste. Allez, discute avec Luna. Je pense que Luna, c'est vraiment la seule qui... Attends, tu peux faire la vaisselle un petit peu? Il faudrait vraiment qu'on contacte le service de... Oh, en même temps, on va déménager bientôt. Allez, câlin. Oui, trop mignon. Oh, va la coucher, trop choupi. Ok. Faut vraiment que je trouve un truc pour la rendre moins triste. Peut-être vraiment parler dans le miroir. Ça peut aider. Ah non, ça c'est pas un miroir. Ah, pourquoi le miroir est au-dessus des toilettes? Mais ça me perturbe vraiment. Ouais. Ok, alors lui il est revenu. Non mais des gosses, ils sont trop tristes là. Hé hey! Elle vient de virer Daisy de la salle de bain. Non mais je rêve. Luna, je t'aime bien, mais là t'abuses un petit peu quand même. En même temps, je suis bien tentée de tricher le moodlet parce qu'elle est pas vraiment triste, vous voyez. 2 jours, ça fait long. Ça fait très long.
Sinon, j'achète une potion. Je peux très bien faire ça. Laissez-moi voir ça. Annulateur d'état d'esprit, voilà. Comme ça, c'est pas trop de la triche, puisque je dépense quand même des points, vous voyez. Donc, elle va voir ça. Et puis, on va aller avoir un petit rencard avec Bjorn à l'extérieur, quand même, pour pas que les gosses se disent, bon, là, par contre... Là, par contre, ma chérie, t'abuses un peu trop. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Oh, ça a remonté tous ses besoins. Oh, j'aurais dû prendre ça quand elle était fatiguée. Bon, c'est pas grave. Il y a des burgers dehors, très bien. Et puis, du coup, on va aller proposer un rencard. Alors, comment on fait ça? Proposer un rencard. Je sais pas du tout où on va aller. On va pas aller à Granite Falls, déjà. Parce que, bon, ça fait beaucoup. J'ai pas besoin d'aller au restaurant non plus. Alors, on a qu'à aller au bar à cocktail que j'ai construit. La vidéo est sur ma chaîne, dans la playlist Parasave. Hein, c'est assez facile à trouver. Et la Parasave est en ligne, je vous le rappelle. Voilà. Si vous voulez jouer dedans. Il n'y a pas de nouvelle famille, mais bon. Il y a déjà des terrains, c'est pas mal. Et j'aime vraiment beaucoup ce bar parce qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, une bonne ambiance. Une ambiance assez... assez chou. Oh, il est toujours triste. Tiens, on va aller s'asseoir là. Hop. Ah. Il a pas apprécié qu'on raconte des ragots, c'est bizarre. Il est où, Bjorn? Allez, viens. Petit salon privé, là. Hop. Illuminer la journée. Conversation profonde. Alors, raconter une histoire. Oh, on avait une histoire incroyable. Tu sais pas quoi, mon mari, il est mort noyé. Tu te rends compte, c'est énorme. Ah, il apprécie. Il veut pas nous parler ou quoi? S'excuser au lit. Oh non. On peut faire ça? Il n'y a pas de lit ici. On va pas faire ça parce que. Il est bizarre. Il veut pas nous parler. Conversation profonde. Ok, si c'est bon. Oh, j'étais un peu. Parce que c'est pas comme si je le draguais quoi. C'était juste. Demander un massage. D'ailleurs, il est divorcé, il me semble. Hein. Ah voilà! C'est bon. Faire un massage. Embrasser. Tenter un rapprochement. Hop. Chatouiller sans pitié. Trop chou. Oulala, regardez, ça, c'est en train de bugger complètement. Ils sont pas trop choux. Non mais franchement. Oh, le chapeau. Énorme. A-t-on vu une veuve dans son habit de veuve en train d'embrasser quelqu'un d'autre? Hé, hey, salut les gars. On a des gars là qui... C'est la soirée homme ou quoi? Il y a que des mecs dans ce bar. C'est un bar à cocktail. Attention. Voyez, c'est un petit peu... ambiance sautrée. Oula! Ils ont bugué un petit peu. Du coup, je sais pas si on peut lui demander d'emménager avec lui maintenant. On va voir ça. Flatter. Demander comment s'est passée la journée. C'est bizarre, leur amitié est pas si... développée. Toc. Blague perso, je sais pas. On tente des trucs. Je vais vraiment déménager de cette maison horrible parce que elle est vraiment horrible. Finalement. Bon, il n'y a pas discuté dans les centres d'intérêt. Flatté. Je fais des trucs, hein. Tenter un rapprochement. Conversation agréable. Ah! Ah! Je veux emménager! Non mais... Je suis aveugle ou quoi? C'est pas facile, hein. Ce jeu, c'est pas facile, hein. Ok. Discuter de la valeur des propriétés, c'est vraiment un truc dont elle parlerait, ça. Écoute, tu sais, moi j'aime bien les grosses maisons. Raconter des ragots. Allez. D'ailleurs, on les voit de dos depuis tout à l'heure. Elle est vraiment trop belle. Je sais, je le dis à chaque fois, mais... Oula. Ah, ça avait disparu. Oh, c'est chiant, il y a des petits trucs là qui volent. Ils sont mignons ensemble, ils sont mignons. Alors, on peut emménager ou pas? Donner des conseils d'éducation, non mais... Prévenir que les lits sont dangereux. Allez, parler du temps ensoleillé. Il est 23h. Daisy, tu as un petit souci. Je crois que tu... Ouais. Ah mais y a pas, hein. Bon, on va aller regarder les étoiles du coup. Ouais, on peut faire ça déjà. Ça, c'est cool. Allez. Regardons les étoiles.
Oui, ils sont trop choux ensemble. On va voir la même photo, mais avec Bjorn et avec la faucheuse. Si ça, c'est pas stylé. Oh, mais il est très triste maintenant. Faut pas être très triste, hein. Bon, on va rentrer. Ce rencard est complètement buggé. Ah, voilà, demander de rejoindre le foyer. Je pense que c'est parce qu'on avait un rencard en cours. Allez, on va faire ça. J'ai bien pris la tombe, au fait. Oh, il a dit non? Ah bah, il a dit non, mais on peut y aller quand même. Ok, bye bye les gars. Et puis, bien sûr, je prends tout l'argent. Ah, dommage, ça aurait pu fonctionner. Alors, 91 933. Hop là! C'est horrible de faire ça. Et puis, bah, on va virer Clara, qui n'a rien à faire. Je crois que c'est Clara ou Carla, je sais plus. Je crois que c'est Clara son nom. Et on va la virer de la maison, parce que finalement, bah, on veut pas d'elle. Et puis, bah, les enfants non plus. Hein. Voilà. Donc, on va être méchante, insultée, elle est vraiment en colère, se disputer à propos de l'éducation des enfants. Bon, on va dire qu'ils se disputent à propos de la maison. Maintenant, c'est chez moi ici. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es plus propriétaire de cette maison, c'est Bjorn le propriétaire, ok. Ah bah lui, il voulait trouver l'amour de sa vie. Peut-être qu'il se dit, bon bah c'est Daisy finalement. Du coup, on va pouvoir mettre une. On va refaire une chambre de bambin, du coup, c'est génial. Ok. Est-ce qu'on peut se battre? Se moquer de la tenue. Regarde-moi comment t'es habillée en plus, c'est ridicule. Ta mère, c'est un lama quoi. Non mais, franchement, elle est très en colère. Elle s'était amie à la base ou quoi? Parce que franchement, leur relation, ça va, hein. Insultée. Vraiment pas contente. Poussée. Ok, se battre. Clotilde, il faut qu'on s'occupe de tes besoins, ma chérie. Est-ce qu'il y a à manger? Ah! La musique s'est coupée. Bon. Petite bagarre entre femmes. On va se battre pas pour un mari, elles se battent pour une maison. Hein. Je pense que Clara, c'était pas non plus. Bon. C'est son mari. Je sais pas si elle aimait vraiment son mari, tu vois. Ok, donc du coup, on va lui dire de s'en aller. Hop. Alors déjà, elle a déclaré comme ennemi. Parce que bon. Et s'en aller. Voilà. Va-t'en. Elle lui dit clairement. Oust. Va-t'en de là. Elle s'en va du coup. Bon. Diviser le foyer et déménager. Hop, on va faire ça. Et puis ils vont se débrouiller avec les gosses. Oh là là, c'est tellement horrible. Alors, pas Bjorn, on va juste déplacer les gosses. Et puis elles ont zéro. Waouh! Vous êtes sur le point de créer un foyer sans fond. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je veux faire finalement. Garder tout l'argent. Alors, si vous annulez maintenant, la famille choisie sera directement déplacée dans la poubelle mes foyers. Ouais, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors, du coup, eux, je vais les enlever de. Des foyers, voilà. Et puis on va retourner dans notre foyer. Et du coup, on a plus Clara, Elsa et. Comment elle s'appelle la deuxième? Clara, Elsa et l'autre là, l'autre gosse, l'ado. Daisy, tu vas faire à manger s'il te plaît parce que. Bah, ta fille a faim finalement. Et puis. Tu aimes cuisiner, je crois, on va dire. Du coup, alors, vite, achetons une petite. Faisons une petite chambre pour Miss Tinguette. J'ai hâte qu'elle soit enfant parce que, franchement, devoir faire des chambres de bambins, c'est vraiment pas mon truc. Je suis vraiment nulle à ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est moche cette chambre! Ok, on va faire un petit papier peint pingouin, si je le retrouve. Voilà. Cette maison est un peu plus moderne quand même, c'est un peu mieux. Oh oui, on a des nouveaux parquets! Trop chouette. Voilà, alors, vite fait, hein, que je vous embête pas trop avec ça. Oh oui, le nouveau lit de bambin! Oh, il est tellement beau! Oh là là! Non mais. C'est magnifique, c'est magnifique! Je suis trop fan. Je ne peux qu'adorer ce lit. Voilà. Vous savez tout maintenant. Alors, le minimum, strict minimum, une petite peluche.
ça, hop. Peut-être une tablette comme ça. Elle peut s'amuser mieux. Et puis un pot. Voilà! On a le strict minimum pour Miss Tinguette. Elle est toujours triste parce que l'autre est mort. Et lui, il est toujours triste parce qu'il est divorcé. Mais c'est pas grave, mon petit, tu vas te marier après. Ah bah, tu cuisines plus finalement? Non mais cuisine. C'est compliqué ce jeu. C'est très compliqué. Alors, est-ce que tu peux éventuellement partir d'ici, ma chérie, parce que ce n'est plus chez toi? Les gosses, elles doivent rien comprendre à se dire, mais pourquoi papa, il a ramené une femme avec une enfant et puis nous, on doit partir? C'est quoi ce bazar? Pourquoi on n'a plus d'argent? Bon, je pense qu'elles sont pas des idiotes non plus. Ah, elle a perdu la bagarre quand même, hein. Cette vieille tête. Regardez-moi cette veuve qui est pas du tout triste, quoi. Je pense qu'elle peut enlever son habit de veuve, hein, clairement. Elle en a plus rien à faire. Tenue, changer de tenue. Oh, par contre, elle a fait du caca en nourriture, hein. Franchement, Daisy, là, tu me déçois. Tu peux mieux faire quand même. Elle est complètement hébétée. Non, mais regardez-moi cette tête. C'est pas ouf. On a fait mieux. Alors, un petit tour aux toilettes et dodo. Et puis, alors, on va s'occuper de Clotilde un petit peu parce que là, vraiment trop triste. C'est trop triste. Trop, trop triste. Mais pourquoi elle a tout le temps besoin de jouer comme ça aussi? C'est incroyable ça. Tiens, joue à Simform. Ok, Daisy s'en va pour dormir. Ça, c'est cool. Je sais pas si bien on a un travail. Oui, l'agent secret. On passe d'un criminel à un agent secret. C'est quand même pratique ça. Et j'avais vu que ça, son aspiration, ça avait. Ouais, avoir une maison valante 350 000, acheter 20 colonnes. Je pense qu'elle a toute faim quand elle aura vraiment tué tout le monde. Je construirai une maison pour elle. Enfin, une maison. Un château. Enfin, une villa, carrément. Parce qu'elle le mérite, finalement. Elle le mérite. Je sais pas si on peut parler de mérite, mais je veux qu'elle vraiment réalise son rêve d'avoir une maison immense, quoi. C'est quand même le but. Alors, est-ce qu'il y a une baignoire? Oui, on va pouvoir donner un bain à Miss Tinguette, ça c'est cool. Alors, on va juste faire un petit pissou. Bjorn est triste. Pour combien de temps encore? 6 heures. Ça va, elle va pouvoir demander Daisy en mariage aujourd'hui. Enfin, pas dans cet épisode du coup, parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes que je tourne, donc ça veut dire que l'épisode bientôt. Mais je t'ai pas demandé de prendre un bain! Ah, j'ai cliqué sur prendre un bain, je voulais donner un bain à Clotilde, moi. Qui est Clotilde pue légèrement. Cas où vous n'auriez pas remarqué. Voilà. Elle s'occupe quand même de sa fille un petit peu. Hein, mais sa fille, je pense qu'elle va vraiment passer une enfance difficile. J'avoue, j'ai déjà tout prévu. En même temps, je pense que vous en doutiez qu'elle allait passer une enfance difficile. Allez, va te coucher. Hop. Daisy, t'as pas fini ton dodo. Ok, bien, on est au travail. Et puis, on va arrêter l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims!